Bon, on se retrouve sur la suite, l'épisode 16 de The Last of Us partie 2. On s'est arrêté juste devant cette magnifique vue la dernière fois. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. On devait aller récupérer le petit bateau qui était passé, genre... C'était si bon, il était rentré là. Donc on va le récupérer, comme ça on va pouvoir partir à l'aquarium. Je crois que c'était ça qu'on demandait, l'aquarium. Je ne sais plus. Donc on va rentrer dans un petit bâtiment et on va aller voler le petit bateau. Ça, franchement, c'est le meilleur plan. Ça... Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. J'aime bien ce plan là, par contre. Bah moi j'en ai vu 3-4 sur le bateau. Donc 3-4, franchement c'est rapide. Est-ce qu'il y avait un autre passage là? Parce qu'il avait l'air d'avoir beaucoup de choses à gauche. Il y avait beaucoup de choses, oui, effectivement, une petite cuisine. Dans une cuisine, il y a toujours des stimulants, non? Pas du tout, absolument pas. Mais au moins on a des petits trucs pour faire un petit kit. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Bon, en tout cas j'espère que cette petite aventure vous plaît, moi je... Toujours en temps... En surkiff. En plus, ce qui est bien, c'est que moi, je m'espace les différents épisodes. C'est-à-dire que j'évite de faire le jeu en non-stop, hein, tout d'un coup. Parce que je trouve ça vraiment cool de, tous les jours, bien assimiler le jeu. Et hop, t'en fais de temps en temps. Pas tout d'un coup, vous avez vu? C'est franchement pas mal. En plus, le temps de jeu, là, pour vous dire, on est, je crois qu'il faut aller dans les sauvegardes. D'accord. Je sais pas ce que vous voulez faire, mais on est à combien de temps de sauvegarde? On est à 11 heures de jeu, donc il y a un entour des 25-30 heures de jeu. Donc dans la logique, il reste environ 10 heures de jeu, donc 10 épisodes. Donc autant vous dire que on est plutôt pas mal. Allez, allez mon petit, tu m'aides à soulever là. Vas-y, aide-moi un petit peu quand même. Ah ben voilà. Tu vois, c'était pas si compliqué. Ah oui, par contre, genre, c'était bien le bordel. Hop là, lâche tout comme ça, boum! Peut-être. Ah, il a direct sauté dans l'eau, lui, il a pas perdu de temps. No perte de temps. Allez! Go in the water. Par contre, les lampes torches qui fonctionnent dans l'eau, genre... waterproof, comme on dit. Ok, ah c'est stylé, là, on voit bien sous l'eau, on a l'impression d'être... en incrustation. Par contre, genre, on nous a enlevé le petit indicateur de respiration. Oh. Tiens. Sniper repéré. Tommy. Tommy. Oh, la corde. Trop bien. Les ordres sont clairs. Ils sont bien assez nombreux pour que d'un seul sniper. En gros, ils vont se barrer, faut vite qu'on se dépêche de les buter pour récupérer le bateau. Par contre, t'as fini de faire bouger la corde là, je peux pas monter moi aussi? Genre, pourquoi on montrait pas à deux sur la corde? Bon, si jamais tu te loupes et que tu tombes dans l'eau là, t'es des flags, hein. Mais au moins, c'est plutôt stylé. Vas-y, monte. Monte le petit câble. Par contre, genre, vous sortez de l'eau, vous montez la corde, vous avez pas peur de vous louper. Genre, à tout moment, tu glisses, pam! Dans l'eau, tout le monde est repéré. Et hop, c'est la mort. Et ça va, vous avez géré, ça va. Non, mais vous barrez pas avec le bateau? Mais prends ton sniper et tire-lui dessus. Oh. Il n'arrive plus à démarrer le bateau. Accéder à la marina par là. Non, on prend le bateau. On va faire un choix. Il parlait de Tommy. On n'en sait rien. Est-ce qu'on va faire un choix? Si on fait un choix, c'est excellent. Même si c'était lui, on pourra jamais le rejoindre à temps. Son but, c'est de retrouver Abby, alors on n'a qu'à suivre. La merde. Il sait se débrouiller tout seul. Alors notre but c'était quand même d'aller chercher Tommy et de tuer Abby. Non, pas tellement. Je viendrai pas te sauver encore une fois. Moi je dis on va voir Tommy. J'espère que tu vas t'en tirer. Salut, à la prochaine. Bon, on va refaire le loup solitaire, hein. À la prochaine. Moi je veux gérer le bateau là. Je veux le bateau. Le petit bateau tôt. Ah mais je rêve. Mais fait encore plus de bruit, genre. C'est bon, le moteur est reparti. Ça la marée de votre côté. Ça marche. Non mais il se barre sans nous. Reviens. Oh. Putain, il est parti. What? Je crois qu'on se faisait repérer à cette distance. Non, ça va. Comment on va faire là? Il va falloir les buter en fait. C'est ça que t'es en train de me dire.
Mais non, non, je me suis fait repérer, oh! Comment on fait là? Est-ce qu'on peut passer par là? Ben oui, on peut passer par là. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Je joue avec l'eau, ils m'ont pas vu. Faites genre, ils m'ont pas vu. On va passer par là, là. On n'a pas la barre de respiration, donc c'est chiant. J'arrive pas à savoir où on en est. Allez, descends encore. Tu peux passer. Bon, on va remonter là. On est dans l'eau, mais c'est pas ouf. En fait, on... pour choper les armes, c'est vraiment une merde. Ah oui, il est juste là, le gars. Mais t'as le temps d'attraper, là. Et oh là là, il a tiré. Voilà, il a tiré, hein. Aïe. Batterie faible. Oh, je peux pas. Tiens, prends-toi ça, toi. Il tire d'où? Vous êtes combien? C'est de la triche. Bon, on va s'enfuir de là. Ça m'a l'air un peu dangereux, ça. On va partir vers de l'autre côté. Je pense que l'autre côté, c'est bon. Bah, par contre, là, c'est fermé, ici. Oh là 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 là. Saute. Perfect. Je sais pas. Mais il y avait un petit bout de métal. Bah prends-toi cette balle, toi. J'ai plus de balle ou je rêve? J'ai plus de balle. Il y en avait un là-bas, je l'ai vu au dernier moment. Tête. Enfin pas vraiment la tête, mais tête. On va se remettre un petit peu de santé là parce que c'est un petit peu compliqué, il y en a beaucoup. On va repartir là où on est passé parce qu'avec un peu de chance ils avaient des mules les gars sur leur petit corps là. Vous avez des petites mules? Non, ils avaient pas de mules malheureusement. Oh, j'ai zéro mine de ces armes. Oh, il avait des mines. Merci. C'est gentil. Oh, encore des mines. Merci, c'est gentil. Comment ça en bas? Mais remonte, pourquoi t'es tombé dans l'eau, boloss? Une tête? Oh, pas la deuxième. Mon shoot est nul. Si, j'en ai, t'en fais pas. Ah, par contre, j'ai loupé toutes mes balles. Et c'est laborieux, hein, laborieux. Je vais y arriver. Et voilà, comme tu dis. Par contre, niveau munitions, y a pas des voilà, hein. C'est genre, loupe toutes tes munes, hein, comme on dit. Où elle est passée ? Et ici, regarde. Hop là, je suis juste là. Tu m'as loupé. On se fait repérer à mort là par quelqu'un, j'entends le bruit là, il est en mode attention, il y a quelqu'un. Ah ouais, il y avait clairement quelqu'un. Pas louper la balle. Voilà, la balle on l'a pas nous. Encore là. La grenade. La tête. Mais d'où on se fait tirer dessus là? D'où? Oh, mais le manque qu'il y a. On se faisait tirer dessous, on se faisait tirer dessus d'où? Il reste quand même un point là. Mange-toi ça toi. Il y a quelqu'un qui arrive sur le pont, on l'a vu. Coupé. Mais il fait des esquives aussi. Tricheur. Il recharge au mauvais moment. Non mais. Ha. On va se mettre un petit bandage là parce que là, ça devient un petit peu laborieux, vous voyez? Un petit peu. On n'a plus de mine de rien. Ah, c'est des mines de pompe. Ah, le mode silencieux aurait été peut-être un peu plus intelligent. Hein. Mais j'entends quelqu'un marcher juste en dessous de nous. Tiens, tu veux pas aller voir là-bas, toi? Vas-y. Il peut pas nous voir de là. Ah bah si, en fait, il peut nous voir. Quoi? Chut. Il t'a pas vu. Vite, couche-toi. Yes. Ça, c'est géré, ça. Des petites balles en plus, ça met bien. En Algérie, il y a le bateau juste là, la petite pirogue.
On va aller buter le petit ennemi qui est juste ici. Eh oh, je suis là. Il revient. Il m'a pas vu. J'ai cru qu'il m'avait vu. Eh, pas très intelligent mon petit. Hein. Pas très intelligent. J'aurais dû la jouer comme ça en fait, silencieux pour tous les ennemis. Mais ça aurait été un peu long. J'avais envie d'être un petit peu accéléré le rythme, vous voyez. Hop là, merci. On avait une machette. C'est mieux la machette. Je crois qu'on a tout fouillé, hein. Je crois surtout qu'on a tué tout le monde. Je crois que j'ai vu une lampe en haut à droite, mais je suis pas sûr. Là, ouais, il y a encore des gens. On va voler le bateau tranquillement. Attention. Hop. Mais non, je prends pas le bateau. Oh, on va pouvoir conduire. Mais accélère. Ah, oh oui, c'est chaud. Attention, le petit saut. Ah non, c'était pas un petit saut. Je prends à droite. On peut pas. Bon, je prends à gauche alors. Et ben voilà. Ah oui. Il y a un petit peu de courant, effectivement. Ça me paraît un peu dangereux, ça, quand même. Est-ce que vous pensez qu'on va faire un combat? Ok, il y a personne derrière. Elle nous a dit qu'il y avait personne derrière, c'est qu'il y a personne derrière. Je te crois, mec. La meuf. C'est tout? Tout ça pour ça? Non. Impossible. Impossible que ce soit déjà fini. Une petite balade en pirogue. Eh non, c'est pas fini. Je pense qu'il est lent le bateau, moi je le voyais plus rapide. Je le voyais beaucoup plus rapide. Ah oui, il passe même les grillages électriques et tout. Ah ouais, c'est... Ah, c'est trop stylé, on est dans un hôtel, je crois. Et là, on passe dans le garage de l'hôtel, je crois. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'ouvrir ça. Mais regarde. Hop. Et là, je fais ça, regarde. Là, tu vois que le truc va tomber, le problème. Il va falloir trouver un truc à faire tomber dessus, en fait. Ça sert à rien de le faire direct. Ça semblait tellement évident. Maintenez R1 pour trouver le bateau? Ah ouais! C'est quoi ce bruit par contre? J'ai entendu un bruit gros, ça m'a fait peur. Il y a une petite note. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas une note. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va lire. Si tu lis ça, c'est que je me suis fait buter. J'espère que... Ça fait deux fois qu'on a ce genre de message. J'espère que c'était pas pour par un enfoiré d'Oscar, mais quelque chose de plus classe. J'espère surtout que tu te rappelles où est planqué nos réserves. Le code est OK, on aura une petite truc, ça va être cool. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. Prends tout et prends soin de toi. D'accord, mec. La voilà. De quoi, la roue? Ah, la petite roue, elle nous a dessiné la petite roue stylée, j'aime bien. Oh, il y a un code à skip. Qui dit qu'il y a un code... Oh. Ah, il n'y a plus de fenêtre. Hop là, on passe en dessous comme ça, il va y avoir un petit... Bah, un endroit où c'est qu'on pourra mettre un code, c'est obvious quand même, hein, non? Ça me semble un peu obvious. Évidemment, ça semble obvious. Avant ça, on va un petit peu récupérer tout ce qu'il y a autour. Et on va surtout aller récupérer notre petit code parce que je l'ai pas du tout lu et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc le code c'est, appuyons sur carré, 70 12 64. Donc 70 12 64 si je me suis pas trompé. Alors, le petit 70 que l'on va mettre, oh il y a de l'éclair et tout. 70, 12 on avait dit et 64. Le petit 12, un peu trop, voilà, et 64. Et normalement je me suis pas trompé, on va voir ce qu'il nous donne. J'espère qu'il va me donner un truc vraiment interesting. Putain, il y a de l'éclair et tout. Oh. Des petits stimulants, des petits balles, des petits lots. Intéressant. Vas-y, ouvre-moi ça, là. Bam. D'accord. Attends, t'es en train de me dire qu'on pouvait ne pas s'arrêter... Attends, what? Mais je suppose que si je soulève ça, ça va, dans la logique, se fermer. Moi, ça me semblerait logique, genre, si je le lâche. Regarde. Non? Mais depuis quand? Tous les petits trucs qu'on a eu comme ça, à chaque fois qu'on les lâchait, ils tombaient. Par contre, attends, c'est quoi ça là? On peut passer ici? On n'est pas allé faire ça les amis, non?
Ah si, c'est le même endroit. Okay, je croyais que ça menait autre part. Je me suis trompé. Bon. Continuons notre petite dérive. Allez avec la pirogue. Tututu. C'est parti. Effectivement, comme tu le dis, c'est parti. La configuration alternative pour le, bateau sont disponibles dans les options accessibilité. Je m'en fiche. Moi, je veux conduire comme ça et tu vas me laisser conduire un petit peu. Oh non. Oh non. Allez, vas-y. Je dois le faire. Laisse-moi le faire. Ah, je me suis loupé. Je m'étais loupé, c'est pour ça. Ouais, ça arrive des fois. Putain, c'est cool si la balade elle est longue avec le bateau. Moi, je kiffe. Hein. Petit aspect comme ça, balade en bateau, c'est franchement pas mal. Un petit passage ici, non? Ouais. On me la fait pas à moi. Hein. Je sais pas si on peut y aller. Ouais, je pas grave, on va pas le tenter. Il y a tellement d'endroits à fouiller. Il y a là, là-bas, derrière nous. Sur potentiellement l'échelle. Et je crois que ça continue en plus. On va s'arrêter là. On va aller un petit peu fouiller cette zone là. En plus, il y a une petite table de craft. Avant ça, on va check voir voilà, s'il n'y a pas des petits écrous. Il y a toujours des écrous à côté de la table de craft. Hein. Ça me semble évident. Attends, est-ce qu'on peut. Oh, ben voilà, il y a des trucs sous l'eau. Putain, il y a. Ben, le nombre de loot qu'il y a sous l'eau, j'arrive pas à voir, mais j'appuie sur triangle. Hein. Je ne vois pas, mais j'appuie sur triangle. Ben voilà. Voilà, normalement, on devrait pouvoir améliorer quelque chose. Hein. On a fait deux tables de craft sans pouvoir améliorer quoi que ce soit. Là, on devrait normalement pouvoir améliorer quelque chose. Un petit peu l'arc, s'il te plaît. Hein? Mais deux. Mais! J'ai pas appuyé sur triangle! Qu'est-ce qu'il me fait, oh? Ah, on peut améliorer l'arc, parfait! Vitesse de bandage, ça c'est parfait, ça c'est exactement ce qu'il me faut. Tu me régales. Comment elle va faire pour accélérer ça? Qu'est-ce qu'elle va nous mettre? Elle change le câble? Ah ouais! Elle change le petit fil. Ah, trop stylé! On pourra mettre la télémétrie, c'est quoi? Acheter un télémètre pour afficher automatiquement la distance de l'ennemi en réticule. Trop bien. Faudra qu'on le fasse. Mais ça... Ça pour une prochaine fois. Alors... On a vu qu'il y avait un petit passage derrière. Recule. Tourne. Let's go. Ah, il y avait un petit passage là, juste à gauche. Ici. Hey, it's me, Seattle Sleep. What? C'est un endroit où on dort? Ah, mais c'est la suite ou quoi? Ouais, il y a l'air d'avoir un ascenseur. Ça a l'air d'être fermé. Ça a l'air d'être fermé. Putain, mais il y a tellement de passages. Il y a trop de trucs à regarder là. Je suis perdu. Par contre, attendez. Oh, c'est beau. C'est beau là avec le petit effet du pont qui est cassé. Ça mérite une petite photo, vous en pensez quoi? Allez. Let's go. Alors, par contre, il y a de la lumière là-bas par contre. Intéressant. Je sais pas si on peut passer là par la gauche. Il y a l'air d'avoir un truc ici, mais je sais pas si on peut là aussi y aller. J'ai envie de voir si c'est possible. Non, on peut pas. Je sais pas, il y a l'impression qu'il y a un bâtiment cassé. What? Ok. Ouais. Ah! Les gars, j'ai réussi à faire bugger le jeu! Je suis trop fort. On s'est fait TP à 15 km. Ce n'est pas un problème. Bon alors, est-ce qu'on a un passage? Il y a un passage par là. Mais il y a un passage par là, mais il y a aussi un passage par là. Ouais, je suis perdu. Quartier. Je crois que c'est un truc des shérifs, ça, non? Mais il doit y avoir tellement de passages sous l'eau, c'est obvious, mais c'est tellement sûr. Genre là, par exemple. Genre là, obligé, on peut passer sous l'eau. Non? Non, on peut pas. D'accord. Je retire ce que j'ai dit. Mais par contre, il doit tellement y avoir de petits passages comme ça. Même pas on cherche. Hein. Genre par exemple, voilà, c'est quoi ça, le petit lapoteur? Oh, des petites balles en plus. T'en auras un peu moins besoin. Je te le prends. Oh, stylé, il nous a fait un beau petit dessin. Lire. Si les wolves lisent ce message, dites à Isaac et aux autres que les rumeurs sont vraies. Il y a un nouveau type d'infecté. Ah, c'était pas connu avant, c'était infecté, ok. On dirait un demi-colosse, avec des boutons. Oh, mais en fait, c'est un nouveau type, c'est même pas un colosse. Ok.
un demi-colosse avec des boutons plein la tronche. Il est vraiment laid. C'est peut-être la pluie qui a causé cette mutation, j'en sais rien. Il était lent, donc j'ai pu l'abattre facilement. Mais quand je me suis approché pour jeter un coup d'œil, les espèces de pustules sur son corps ont explosé. Ça m'a brûlé tout le côté du corps, un peu comme de l'acide. Si un des trucs s'approche de vous, gardez vos distances. C'est les petits trucs qu'on a déjà fight au début du jeu, non? Ah, mais c'est considéré comme des nouveaux boss. Intéressant, je savais pas. On peut crafter des munitions. Ouais, trop bien. On peut crafter aussi un petit bandage. Et puis voilà. On est pas mal. Hop là. Moi j'en suis sûr, il y a des armes dans ce petit paquet vert là, mais bon. On veut pas s'amuser à regarder. C'est pas trop grave. Bon, mais au moins on a récupéré un peu plus de munitions si jamais on se fight. Comme ça on aura la petite information et là c'est plutôt pas mal. On va aller tout droit. Et on va revenir là où c'est qu'on devait aller normalement, qui est à droite du pont ici là. Juste ici. En fait, ça fait un petit épisode en petit rock, j'aime bien. C'est cool, ça change un petit peu la dynamique. Voilà. Ah mais là on est... Ah non, ils se fightent entre eux. Ah ouais, tant que ça. Je sais pas si vous l'avez vu, la sautée de l'eau tout à l'heure. Marastagwe. Ah, j'ai essayé de pré-shot, mais un petit peu trop peut-être. Ah ouais, mais là, ouais. C'est un peu loin quand même, hein. C'est un petit peu loin. Bon, on n'y arrivera pas. Bah, on va la tenter en rush, hein, qu'est-ce que je vous dis. C'est pas moi, je fais pas de bruit. C'est faux. Non, non, mais c'est faux, je fais pas de bruit, moi. Hop là, on va aller un petit peu check tous. Oh, oh, oh. Un petit pavé. En plus, on bande super vite l'arc, c'est trop bien. Oh, mais ouah, le monde. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Ils sont tous collés, bande de bolos. Ah, c'est moi le bolos, c'est moi le bolos. Je retire ce que j'ai dit. Bolos. J'ai plus de balles de rien. Ah, si, il me reste des balles de pompe. Tiens, bouffe-toi ça là. Pouah, ce truc, il s'est mangé. Ah ouais? Ah ouais? Bah. Ouf. Aïe, 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 ça fait mal ça, eh. Oh. Petit cocktail Molotov en plus, il nous régale. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de cocktail Molotov. Fini. Ouais, par contre, j'ai usé toutes les balles que j'avais fouillées juste avant. C'est pas. C'est pas ouf ça. Oh, qu'est-ce que c'est là? Jules. C'est bon, j'ai pas besoin de lire. Je sais ce qu'il y a écrit. T'en fais pas. Je vais bien récupérer ça, comme ça, ça me fait une nouvelle machette. Même si je l'ai pas trop utilisée celle-là. Pas l'air d'avoir grand-chose par ici. Ah, c'est la vieille, on va la voir, hein. Elle va être trop sympa à faire. Ne tue pas, tu devras. Soit, non, ça c'est Maître Yoda. Ouais, je fais une tellement belle imitation de Maître Yoda, vous avez vu. Je suis trop fort. Oh, c'est quoi? Les petits écrous. Trop bien. Très très bien. Eh bien, il faudra sauter par là, je pense. I think. Mais avant ça, fouillons un petit peu, parce qu'on n'a pas tout fouillé. Et ouais, il y a des petits passages, les petits bougres là. Elle va pas me la faire celle-là là, oh. Attendez, parce que moi, j'en perds pas une miette. Je fouille tout, parce que là, vous voyez, il y avait un petit des sneakers. Ça va pouvoir manger. Et puis voilà, on est pas mal. Vous pensez que les mecs là qui étaient en feu là, qui lui ont lancé un cocktail là sur le petit bâton pour récupérer leur mune ou quoi que ce soit? Non, on peut pas. Oh, ça a été bien. Bon allez, retournons au bâton et... Au bateau et voyons si on peut continuer avec le petit bateau. Oula. Oh, tiens, mal placé. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer avec notre petite pirogue? Est-ce que vous pensez aussi qu'il est possible de faire le jeu sans la pirogue? C'est un peu pété quand même. Ce serait... Oh non, je me suis trompé de côté. Trompé de côté. Cinématique ou quoi? Ok, j'ai cru que j'étais bloqué au niveau de la petite image là, mais pas du tout, mais pas du tout.
Putain, mais ça claque, hein, l'éclair là-haut. Oh, de Dieu. Il y a de l'éclair. Hein. Bah, allez, pop, pop, pop. Let's go. Et wow. Ouhouhou. On fait du. Quoi? Quoi, quoi, quoi? Et hop là, je casse tout, moi. Je crois qu'on va laisser notre petit bateau juste ici. Hein. Ah, on pourra le réutiliser après. Mais on va le laisser là temporairement. Ah, intéressant. On va percer derrière le comptoir. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Absolument rien. C'était un prank. On s'est fait pranker par le jeu. Ah, j'aurais cru que moi que ça aurait été fermé. C'est la cuisine dans laquelle on trouve des stimulants. Est-ce que... Non, c'est pas la bonne touche. Est-ce qu'on peut utiliser nos stimulants? On peut les utiliser et on va enfin avoir permis de confectionner plus de flèches avec le même nombre de ressources. Ça, c'est super bien. On aura beaucoup plus de loot, ça, je dis oui. C'est un oui. Et pendant qu'il y a une moto qui passe en front. Ouais, excellent. Allez, bon. Au moins, on aura beaucoup plus de flèches dans la logique. C'est pas non plus exceptionnel, mais à chaque fois, on aura une flèche en plus. Ça, c'est cool. Hop là, des petites mines. C'est cool qu'ils nous mettent de temps en temps des petites phases comme ça où on est en recherche de munitions. Oh! Un petit flyers. Qu'est-ce que c'est? Stylé, j'aime bien la couleur. Nuit du grand frisson. 100 tickets gratuits pour toutes les personnes déguisées. Récompense spéciale pour Halloween. Horreur à mâcher. Concours du plus beau costume. L'eau au coupé de souffle. L'eau à couper le souffle. Ok, d'accord, mais c'est intéressant. Very interesting. D'accord, d'accord. Bah, on peut pas tout faire dans la vie. Hein. Par contre, genre, cet éclair là, il nous met dans une ambiance, c'est classe. J'aime bien. On est vraiment plongé dans l'ambiance. Ça, j'aime bien. Alors. Un petit jeu à tirer dans la tête. Oh! Bordel. Oh là! Ouais, mais attends, mais sa tête, elle est. Mais. What the hell, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon ami? Je croyais que t'étais tombé, mais non, t'as pas pu tomber. Hein. What the fuck? Je sais pas d'où il vient, lui, mais... Il doit avoir mal. Hop là, récupérons tous les loots. Récupérons tout, 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 tout. Oh, une piñata! Dis-moi qu'ils ont été super intelligents, que si tu tapes sur la piñata, ça fait quelque chose. Ah non, mais non, vous abusez, les gars. Ah non, non, non. Attends, y'a quoi, là? Non, c'est des assiettes. Ok. Ok, ok, bon ben on va l'avancer. Je pense qu'en fait on l'avance, la porte doit être fermée à la logique. On doit passer au-dessus par la petite fenêtre. Ça me semble logique. Ah. Ah. Oh là. Ça c'est sale par contre. Oh, y'a un colosse, y'a un colosse. Tiens, bouge-toi ça. Chef. Chef, ce qu'on appelle se prendre un... Chef. Chef. Wow, il m'a mis tellement mal. Il m'a mis mid-life, même pas slow, alors même pas quelques secondes. Ah, non, oh, 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 c'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok. Il meurt pas là. What? Ah mais il y a un zombie en plus. What the hell? Tiens, bouffe-toi ça! Vite, faut qu'on se mette ça avant qu'il arrive. Parce que là, on est vraiment très très mal. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Cours. Non, mauvais. Récupère, on va essayer de récupérer la flèche peut-être avec un peu de chance. La flèche est par là. Non. Ok. Tu vas pourrir, toi, un idiot. Oh oh. Ah oui, il nous a fait une de ses attaques. Recharge, recharge. Ah mais il faut combien de balles pour l'attaquer? Oh, il est là, ma flèche. Il faut combien de balles pour l'attaquer? Eh, c'est fait, Noé. Je me demande... Ah bah, il est mort. Ah, il va exploser, normalement. Non, il explose pas. Oh, j'aurais cru. Par contre, genre, il avait tellement de vie. Il a mangé un truc de feu. Il a mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé d'autre? Pas mal de balles de pompe.
C'est chaud, hein. Oh, une carte! Oui! Alors, ça faisait longtemps en plus. C'est Crescent Bright. Un mec qui gère un petit peu les sources précieuses, des petits trucs. Oh, un serpent! Trop mimi! Trop mimi, le serpent! C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie à chaque fois d'allumer la lumière parce que vous sur YouTube ça doit être dur. Mais je vous mettrai les petites zones de luminosité. Surtout pour cet épisode, il sera beaucoup plus lumineux parce que tout l'épisode se joue dans la nuit. Et donc c'est un peu plus compliqué de tout voir. Tellement de choses à explorer. On va aller par là. Ah bah on aurait dû normalement arriver par au-dessus là. Normalement. Ah mais ça c'est pour continuer, eh, moi je veux pas continuer. Moi je veux aller à la porte exit. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah! Ah! Ça met nous ça. Attends mais t'es en train de me dire c'était déjà ouvert ça ta... Bah oui on vient de là. Mais je suis... Oh là 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 là. Eh? J'ai l'impression de pas voir où je vais. C'est insane. Bon par contre on n'est pas allé là, on va aller check cet endroit là. Qu'un peu de chance, il y aura des loots. Peut-être une PS3, on en a pas vu beaucoup des PS3. Je crois qu'on en a vu 3-4. Pas fou. Oh, une note. Qu'est-ce que nous raconte cette petite note? Encore Jules? Une chasse au trésor ou ça se passe comment? Oh là 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 là, il y a une petite chasse au trésor là, moi je reconnais. Hein. Il y a des chasses gamer. Pensez qu'on peut passer au-dessus là? Non, on peut pas. Ça aurait été stylé. Il y a un casque de gamer. Putain, c'était vraiment un coffee shop pour les gamers. Les gamer pro. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de PS3. Moi, j'en aurais mis une. Ça aurait été vraiment classe. C'est pas grave. Bon, allez. Petit avion qui bouge avec l'hélice. Trop classe. Nous, on va aller se finir. On va aller avancer un petit peu. On va aller pousser ce petit tuyau là. Hop là. Ah, un petit message. Hop là, bon on va aller donc ouvrir ce petit truc là. Ça t'as l'audio. Ah il a l'air d'avoir un de ces courants là. Mais il y a des vagues, fais gaffe. Tu vas te faire emporter hein. Je serais pas confiant moi. Je ne serais pas confiant. Par contre. Ouais on a déjà fouillé, on a déjà fouillé. J'allais revenir sur ce qu'on a déjà fouillé. Non non non. Ça va, ça va, ça va. Et là, on est parti. Alors, continuons l'aventure avec la pirogue. Vraiment trop classe cette dynamique de cet épisode, je la kiffe. Et là, on y est presque, hein, la petite roue là. Elle est juste à côté. Hein. Ah, l'environnement est trop classe, attendez. Comme d'habitude, la petite photo, ouais, comme d'hab. Allez, on avance. Allumez la lumière, même si ça change absolument rien. On peut pas passer à gauche, bon, mais on va aller à droite. Hein. Et il commence à y avoir des vagues. On va se faire emporter, obligé. Hein. Moi, je vous le dis, ça va finir. C'est quoi ce bruit là? C'est la musique ou... Ouais c'est la musique. Wouah. Et il y a des vagues. C'est le torrent le truc. Oh. On va savoir la tempête. Ouais de la fumée à mort. C'est de la fumée ou de la... Le brouillard qui fait ça. Je sais pas on dirait un peu des deux hein. C'est beaucoup trop classe. Voilà. Oh là, oh là, oh là. Ah, c'est la mer, on va pas repartir. Là, si on va tout droit, je crois qu'on va soit en Chine, soit en Europe. Je sais pas du tout où est... Oh là, oh là, oh là, oh là. Ça, c'est mauvais moment, ça. Ah, mauvais moment. Je l'avais dit. Aïe, 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 aïe. En plus, avec les vagues qu'il y a, bonne chance, hein. Vite, 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 vite. Remonte, 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 remonte. Ouf. On peut y arriver, on peut y arriver. Eh oui, t'as vu, tu lis dans mes pensées, on peut y arriver. Ouf, ça fait mal, là. Les vagues font mal. Hein. Je pense que la technique, c'est tu vas sous l'eau comme ça. On nage un petit peu sous l'eau. Et hop, on remonte. Hop, on nage sous l'eau vite, il y a une vague. Oh, elle nous a mis mal quand même la vague. On remonte. Il y a une vague, non, c'est bon, il n'y a plus de vague. Allez, let's go à l'aquarium. Il est juste en face, à côté de la petite roue. Par contre... Ah bon, non, mais ils se foutent de notre gueule ou comment ça se passe? Il y avait masse vague. Et quand on n'est plus dans l'eau, il n'y a plus de vague.
Ouais. C'est du foutage de gueule. Hein. C'est du foutage de gueule, moi je veux le dire. Bon, en tout cas, on avance. Oh, c'est trop classe. Oh, je kiffe. Je kiffe l'atmosphère là, un petit peu. Avec la pluie, l'aquarium. C'est lugubre. J'aime bien. Hop, on avance. Rien à activer ici. Un petit bateau qui s'est mis. Ok. Est-ce qu'on peut crafter d'autres choses là? Parce que niveau vie, on n'est pas fou. Hein. On est vraiment pas fou. Ouais, on peut rien changer. Ouais, bon, on avance. Let's go. Recharge-moi tout ça là. Il y a moi des petites tabelles. On peut, il y a tellement de trucs à récolter, mais on peut jamais rien récolter, on est toujours plein. C'est abusé. On peut passer par en haut, mais il y a l'air d'avoir quelque chose ici là. Non? Ah bah il y a rien. Bon, on va passer par en haut alors. Let's go. Oh, c'est déjà ouvert en plus. C'est déjà ouvert. Tiens. C'est parti comme tu le dis mon ami. Scotch. On peut rien faire avec le scotch. On peut rien faire. On va allumer la lumière pour vous parce que sinon vous allez rien voir et malheureusement la luminosité sur YouTube comme vous le savez. Aïe. J'aime bien ce petit aspect là de. Oh, c'est trop classe l'atmosphère avec le petit aquarium là. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des poissons dans la logique? Non, ils sont tous morts. Petite logique. Je pense qu'il faut pousser ça. Non? Ok. Où est-ce que je vais? Là-bas? Ah oui, il y a un petit sas de décompression. Hey, it's me, James. Ah non, mais ça c'est la sortie. Mais pas du tout. Je suis perdu. Où c'est qu'on peut aller? Est-ce qu'il faut casser les... Non, on peut pas. On ne peut pas casser ça. Bon, mais en revenant sur nos pas, il paraîtrait que c'était pas par là. Je suis persécuté. Je suis perdu. C'est peut-être là où vous voyez, il y a la vitre qui est enlevée là à gauche. Eh ouais, c'est par là. Je l'avais pas vu. Ok, bah let's go. Ah, il y a un petit graphe. Stylé, hein. C'est le petit graphe de travail. Aujourd'hui, hors des dieux, t'as pas assez travaillé. Oh, une time. C'est une... Non, on a. Bah, en gros, il y a une grosse feuille, on peut pas la lire. C'est une scène. C'est là où ils ont entreposé tous les petits poissons. Et où ils étaient les petits poissons. On peut toujours pas faire de d'armes ni rien. C'est un peu galère. C'est quoi tout ça? Bah, c'est pour faire de la méthamphétamine. Quoi je vais faire pour monter moi? Ok, bah on va pas monter alors. Ah, c'est sale. C'est sale, mais c'est stylé, hein. Waouh, c'est classe. C'était dans l'aquarium, ces petits trucs-là. C'était fougère et tout. Classe. Vous le sentez, là, le monté de l'échelle, on se trouve face à face, nez à nez, à des gens. Attention. Non, personne. Ok. Je me suis trompé. Est-ce qu'il faut descendre? Parce que là, il y a un moyen de descendre, ici, hein, clairement. Ou là on continue à être en haut et on peut check. Je pense qu'on va check un petit peu là, il y a l'air d'avoir un petit passage par là. Elle a l'air d'avoir froid ou elle est essoufflée? What the fuck? Oh oui, du... Les petits ciseaux et tout, on va pouvoir faire quelque chose là normalement, non? Ouais, on peut toujours confectionner ça, mais on s'en fiche un petit peu. Hein. Bon, mais il faut juste descendre. Ok, let's go. Oh! On peut la récupérer la truc de plongée? Ah mais là ça régale cet endroit si tu veux plonger et tout. C'est trop bien. Bon ben, on pourra pas plonger malheureusement. Pourquoi? Ah, des petits stimulants. Intéressant, moi j'aime bien tout ce qui est stimulant et tout. Bah ben continuons. Où est-ce que tu te caches, bordel? Non mais, je pense qu'on trouvera pas Habib, mon ami là. Oh c'est fermé. On peut pas ouvrir par là? Évidemment que non, c'est porte blindée. Hein. Il est blindé comme dit n'importe quoi la porte. En spam triangle comme d'hab. Hein. Y a sûrement un autre chemin. Ouais, toujours check les hauteurs.
Voilà. Check les hauteurs. Ça là, non? Prends l'escabeau et on monte dans la hauteur, non? Moi, c'est ce qui me semble logique. Après, chacun son point de vue. Voyez-vous, madame. Mais oui. Toujours check les hauteurs. Heureusement que j'ai dit, hein, parce que je le faisais pas, mais... Attends, j'ai dit. Par contre, on avait une genre de mini cinématique là, ce genre de truc, ça me... Putain, on va finir en film d'horreur. Hein. Classe. C'est renfermé. Oh non, vite, vite, vite la batterie. Ah, c'est bon, tu recharges. Ah, oh non. Face aux ennemis. Oh non, 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 carré, 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 carré. Non mais, ah, c'est sale. Ça rigole pas. Oh, ça me fait piper, cette... Oh non, le pauvre petit chien. Tu as vite de son chien. Oh, les écrous. Toujours, même en temps de guerre, pensez aux écrous. Oh, c'est sale. Ah, c'est sale. Oh là là, ça sent mal. On s'est embarqué dans un truc là. Rien de très très bon, moi je vous le dis. Ça me semble pas très très cosy tout ça. La musique en plus, en fond, les musiques sont excellentes, sont super bien gérées. Ok, ça doit être par là la suite. On va continuer un petit peu de fouiller comme d'hab. Vous connaissez la musique. J'active pas la lumière depuis tout à l'heure, désolé. Désolé, désolé. Attends, mais il m'a mis mal ou quoi le chien là? Ouais, mais on peut pas crafter de prot. Je pense que tout est fermé, je vais essayer, mais... Personne ne revient de cette île. J'aurais dû peut-être fouiller un peu en arrière. Elle a risqué sa vie pour toi. Elle a fait son choix, moi j'irai pas la chercher. Alors rentre. Va-t'en. Lui, c'est celui qui nous a entre guillemets protégé, qui nous a dit non, ne la tue pas. Va chier, ouais. Mets en l'air. La tête qu'elle a fait. Où est Abby? C'était toi la fille à Jackson. Dites-moi où elle est. Ouais, c'était moi, ouais. Tu promets de nous épargner? Si tu lui dis, elle va nous descendre. J'ai aucune raison de vous tuer, c'est elle que je veux. C'est des conneries. Toi. Approche. Non mais ils sont deux là, c'est un petit peu dangereux quand même. A l'air un petit peu d'être coincé du cul quand même. Montre-moi où elle est sur la carte. Ensuite à toi. T'as intérêt à ce que ça colle. Oh, la petite technique qu'on avait appris. Elle est sûrement déjà morte. Ça vaut pas le coup. Stop! On peut parler. Recule, connard! Il a l'air d'être gaillard, mais bon. Il a l'air d'être punichard aussi. On va voir ce que ça donne. Montre-moi où elle est. Prendre son plan de faire 2-2, c'est bien, mais... Oh, la patate! Tiens, dégage-toi. Putain, mais 2v1, mais elle est super forte, elle. Faut aller faire du cash, là. Faut aller faire un truc, hein. Carré, 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 carré. Putain, elle a fait de l'UFC quand elle était jeune, ou ça se passe comment? Oh, ça va être sale, ça va être sale. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est sale. C'est pas beau à voir. Putain, on a encore échappé, on a encore loupé un plan là de pouvoir savoir où est la carte. Où elle est? Où est Abby? Où elle est, putain? Hein? Elle dit enceinte? C'est ce que j'ai compris, moi. Mais lui, c'était lui que, de toute façon, il fallait le tuer, lui, dans tous les cas, donc... on l'a tué. Oh non, sale! Ah non! Ça c'est... Ah ouais, là ça tue le moral là. Allô? Allô? C'est Tommy? Oh, c'est Tommy! Bon, on a retrouvé Tommy. Bon, l'autre il est dans la merde alors. Tout va bien. Ah non, il est là! Ben, on rentre. On s'en va.
C'est ouf, il est dur cet épisode. Aïe 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 aïe. Ah oui, non mais la carte par contre. Ramasse la carte. On a plus la carte. Oh non. Vous voyez la petite musique qui tourne en boucle, ça c'était la musique de mon qu'on appelle du thème que j'ai sur PS4. Je la connais par cœur cette musique, sachez-le. Ça je trouvais ça bizarre qu'on ait cette musique maintenant, j'étais en mode what. Cheche. Elle est vraiment mal, Dory l'escargot, là. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Parce que là... Ouf. Hop, on s'est fait à nouveau téléporter dans le petit dress. Dans le petit dressing. Petit café? Non. Papa. On va aller voir Tommy. Oh! On n'avait pas eu le temps de fouiller ça la dernière fois, mais c'est trop classe. C'est petit endroit, c'est qu'on a les scènes. Putain, mais à chaque fois qu'on revient, on redécouvre une scène, une salle. Tommy, Bon, c'est cool, on est tous en groupe. Restez groupir comme ils disent les jeunes. Y'a rien à fouiller de plus. Oh si, une carte, je le savais. Escuir. Oh, c'est le mec qu'on a tué tout à l'heure avec le gros marteau. Enfin, tout à l'heure, pour vous, c'est... Il y a 3-4 épisodes. Mais voilà. Ah, il y a une carte lui aussi. Où est-ce que tu vas? J'avais besoin d'air. Qu'est-ce que vous faites debout? Insomnie. Ouais, c'est ça, ouais. Viens jeter un coup d'œil. Mm-hmm. L'idée, c'est de rentrer en passant par Ellensburg. Rentrer. Si on atteint Fall City demain, on avance bien. Eh bien, pas. Eh. Ils méritaient ce qui leur est arrivé. C'est pas ça le problème, c'est qu'on part. J'ai encore envie. Vous êtes mis quand même dans une sacrée merde. Tu peux l'accepter? Non. Ouais, faut bien. Non, on va pas rentrer quand même. Oh. À moins qu'on rentre, on se fasse attaquer. Maintenant, là. Je me serais bien passé de traverser l'Idaho encore une fois. Ce qui devrait te préoccuper, c'est la réaction de Maria quand elle te verra rentrer. On a connu pire. Mais au cas où... Je suis passé par un quartier chic quand j'étais en ville. Et j'ai aperçu un collier. Il est bien brillant, je crois que c'est de l'or. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je te dis que c'est de l'or. Vas-y, fais voir. Il l'a pas pris. Je sais reconnaître de l'or. Hein. Si c'est bien de l'or, on peut faire cadeau commun. Débrouillez-vous tout seul pour l'amadouer. Interesting. Qu'est-ce qui va se passer là? Ça va toi? Bon, tu sais. Tu es deux, trois personnes. Bien, ça va. Ellie. Ça va. Merci de pas m'avoir laissé tomber. J'abandonne jamais mes amis. Toujours le même refrain. D'accord. Alors, disons. Que mes amis savent pas se démerder. Ça, c'est mieux. Vous avez vu, je l'ai dans ses pensées, hein. C'est pas la première fois que je le dis. Merde. Oh, je l'avais prédit ça aussi, non? Ouf. Tommy, Jess. Lève-toi. Ah ben... Les mains en l'air ou je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie. Fous le camp. Lève-toi. Ah ben, ça sera plus rapide que si c'était ça. Ferme. Arrête! Stop! Et là, elle peut pas le faire directement. Ça va être trop compliqué. Jette ton arme. Elle est trop musclée, elle. Jette ton arme! Merde! Je sais pourquoi t'as tué Joel. Il a fait ça pour me sauver.
C'est ma faute, y a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. On ne balance pas toutes les infos comme ça, quand même. T'as tué mes amis. Et alors ? On vous avait épargné. Ouais, enfin bon. Et voilà le résultat. Vas-y, la hammer là, maintenant. Oh, c'est la fin. C'est fini. Ça serait vraiment drôle. Non, quand même pas. Not now. Not now. Papa ! Oh. On va jouer à sa place, mais quand elle était petite. Papa ! Où il est ? Par contre, c'est musclé, elle, Abby. Beuh. Genre, plus de muscles et mieux c'est encore. Papa ! 4 ans plus tôt, est-ce qu'il y avait l'infection il y a 4 ans ? Je pense que oui, elle y était déjà, vu que c'est il y a plus de 10 ans pour eux. Donc, clairement, oui. Putain, c'est beau. Hein. J'étais fine chez Mambo. C'est beau, c'est beau. Par contre, bon, voilà quoi. Enfin, bon, elle est morte, elle est morte. Il est mort, Jess. Au revoir, Jess. Hein. Moi, je m'en foutais de lui, mais au revoir, Jess. Hein. Coup dur pour Jessie. Allez, papa. J'en connais une qui va pleurer. Arrête un peu avec ça. Par contre, j'aime bien cette, ce petit. Vous avez vu, ça, c'est des boîtes birch. C'est du birch. Ça me fait vraiment penser aux forêts de Minecraft, mais bon, un peu plus joli quand même. Entre nous, c'est beaucoup plus joli. Oh, un petit. Un petit rat lapin, je ne sais pas ce que c'était. Papa ! Eh mais c'est... C'était pas... C'est quoi ce bruit ? C'était quoi le bruit là qu'on a entendu ? Ok... Ok, c'est très bizarre tout ça, j'entends des bruits. Peut-être faire que je consulte. Hein. Ah, j'ai cru qu'on était là où c'est qu'il y avait le petit dinosaure là tout à l'heure. Mais pas du tout. Enfin, tout à l'heure. À nouveau, c'était pas tout à l'heure. C'était il y a beaucoup d'épisodes, mais... Oh ! Il y a un chat ! Oh non ! Regardez le petit chat ! Le petit mimi ! Il a vraiment disparu, là, comme ça, là. Excellent. Trop des barres. C'est pas vrai. Hop là. On refait le didacticiel, ils vont nous apprendre à jouer. Qu'est-ce que c'est ? Des poubelles ? Intéressant. Ça mène où, en fait ? Bien marrant, mais... Je vois pas où ça peut nous mener, en fait. Bon, ben, continuons, alors. Si on est bien parti, on est bien parti. Je sais pas par où il faut aller, là. J'ai pas l'impression que c'était là où on a trouvé la petite bouteille. Plus l'impression qu'il faut revenir sur nos pas. En tout cas, c'est cool qu'on prenne le point de vue de tous les joueurs, un petit peu tous les personnages qu'on a découverts dans l'aventure. C'est parti. C'est vraiment, vraiment cool. C'est parti. Ah ben non, c'est pas parti. Bon. Papa ! Mais mets un coup de pied dedans, abuse pas. Comment je fais pour passer au-dessus de la barrière ? Abuse pas, tu mets un coup de pied dedans, ça passe. Comment tu vas faire pour passer au-dessus de la barrière ? Eh bien, c'est une bonne question. Je me la pose aussi de temps en temps. Parce que, elle est bloquée quand même. Moi, je suis bloqué. Je suis bloqué. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, j'aurais pu mettre, voilà, un petit easter egg. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est le zoo, on est au zoo. Oh, mais c'est trop classe. Trop la classe. Alors, par contre, vu qu'on passe en dessous, je suppose que c'est là la suite, mais bon, ça me paraît bizarre, j'ai pas vu... Enfin... Là, ça a l'air d'être tombé, le toit, mais on peut pas passer par au-dessus. Le mur, bon, mais n'en parlons pas. On peut pas passer par là. Peut-être qu'on peut ouvrir les portes, il doit y avoir une porte qui doit... Non, bah non. Non. Ok, bah c'est pas pareil ici, on le sait au moins. Ça fait deux fois que je passe par là, mais au moins... on le sait. Ah ouais, mais ok. Et QI plus 58, hein. QI plus 50, moi je vous le dis. Alors par contre, on va caler ça. On peut pas passer par là. C'est bien de vouloir prendre... Sur le toit. Ah ok.
Ok, j'ai compris. Ah ouais, non mais... les bacs plus 48, je les ai plus. Oh! Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Virginie. 1978. Pou, pou, pou. C'est rare. C'est rare. C'est rare comme jamais. J'en suis sûr, ça passe. Hein. Vous pensez ça passe? Ah non, ça passe pas. J'y aurais cru. Ah, mais elle a fait les muscles sur les poubelles, ok, je comprends. Les petites poubelles. Ah, intéressant. Non, mais vraiment? Really, vrai? Vous pouvez pas sauter comme ça. Ah, je suis vraiment nul. Hein. Je suis vraiment pas bon. Par contre, pourquoi il y a une grille là, genre? Pourquoi ils ferment les toilettes? Genre, non, on ne veut plus que vous alliez dans les toilettes. C'est trop dangereux. Fermez les toilettes. On peut pas monter là, on est d'accord qu'il faut aller en face dans la logique. Ah ok, fallait bien aller en face. C'est juste que mon saut était vraiment pourri. Et bon voilà, on est passé. Oh, 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 oh. Ah ouais, bien joué. T'es dégueulasse. Jerry, il s'appelle Jerry. Tu as de la boue un peu partout, chérie. On a aussi. Où ça? Juste là. Oh. Trop drôle. C'est... À chaque fois que tu disparais, c'est moi qui me fais engueuler. Arrête. C'est dur à croire, mais il s'inquiète pour toi. Il n'y a aucun danger ici. Papa. Abby, elle est dans le coin. Je l'ai vue de l'autre côté de ces arbres. Qui? Alors? Elle va bientôt mettre bas. On l'observe juste un petit peu et on rentre. Je te le promets. D'accord, mais on se dépêche. Heureusement, j'ai pas. Mais il parlait de qui? Il parlait de qui? Il disait ouais, elle, là, là. Parce que c'était obvious. C'était obvious que t'étais là. Comment t'as fait pour qu'il parle? Je lui ai demandé. Eh, regarde un peu ça. Oh, waouh. 1978. Je l'ai pas dans ma collection, celle-là. Allez, à toi. Si tu promets de jamais refaire un coup pareil. Alors, marché conclu. Je te crois pas. Ouais. Tu fais vraiment mal me connaître. Ouais. Très bien. On s'y remet. Tu veux pas te nettoyer, là, comme ça, genre, hop, on se nettoie un peu, là. Tu retrouveras Owen dans pas longtemps. Qu'est-ce que... Non, rien. Tu passes beaucoup de temps avec lui, en ce moment. Plus que d'habitude. Oh mon dieu. Depuis quand t'es au courant? Je suis ton père. Je sens ces choses-là. Vous faites tous les efforts du monde pour ne pas vous regarder quand je suis là. Excellent. Et d'un coup, vous êtes sérieux. C'est très touchant. J'en peux plus. Et il te fait rire. C'est parce qu'il est un peu idiot. Il se montre plus gentil avec moi désormais. Et donc, tu profites de la situation. Abby, regarde. Interesting. C'est quoi? Ah, c'est un chien? Par hasard. Ou un... Je ferai jamais ça. Et ça marche? Ben, j'ai retrouvé ta trace. Oui, mais tu as triché. Sois prête à tout pour réussir. Wow. Quoi? T'arrives donc d'écouter. T'as des éclairs de génie, parfois. Ouais, on suit l'histoire de Abby. Abby. Mais je comprends rien à l'histoire parce qu'on la connaît absolument pas. Donc on va en apprendre beaucoup plus, bien évidemment, par la suite. Mais là, je suis plongé dedans, donc c'est pour ça que je parle pas de Peter. Oh. Ah, c'est pas beau, ça. Qu'est-ce que c'est? Papa, j'ai trouvé quelque chose. C'est quoi? Elle a déjà mis bas. Ah. Et regarde, deux paires de traces. Papa? C'est elle. On y va. Elle a pas l'air bien. C'était quoi, ce bruit? J'arrive pas à reconnaître ce bruit. On dirait un élan, mais pas sûr. Papa, attends. Et s'il y avait des infectés dans le coin? On craint rien ici. Et puis on les tuera. T'as ton flingue avec toi? Évidemment. Oh, merde. Abby. C'est un élan? Ah non, c'est un zèbre. Oh, mais c'est trop bobo. Quoi?
Il faut qu'on la libère. Ah, c'est sale. Ah oui, mais elle s'est mise dans un... Ça en fait pas. Ah oui, mais là... Oh. Mais touche pas ça, tu vas te faire couper les doigts. Faut le... Mais oui, mais pourquoi tu fais pas ça depuis le début? Mais il est con, il est con. Ah mais tu la tiendras pas, hein. Doc, vous êtes là? Par ici, Owen. Mais... S'il te plaît, viens m'aider à la tenir. On a besoin de vous. Owen, tiens là. Oh, what the fuck. Ouais, il était jeune, hein, c'est celui qu'on a tué là tout à l'heure. Il était à terre. Ok, tu la tiens bien. Ouais. Ok, à toi de jouer, Abby. Oh là. What the fuck. Dans quelle situation ils se sont mis? Oh, oh putain de merde. Tout le monde vous cherche. Attendez. Papa. Allez, c'était pour un zèbre. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ils sont devant les lucioles. Ils vont peut-être voir Joël et tout partir et les tuer, non? On a fait du bon boulot. Doc, la fille est arrivée. Quelle fille? Celle dont Marlène parle tout le temps. Ah mais c'est son père, le chercheur. Elle a une vieille morsure au bras. Aucun signe d'infection. Ah. C'est pas possible. Ils sont déjà en train de faire des tests, mais faut que vous alliez voir. Et donc en fait elle est vénère, je pense, parce que son père va mourir à cause de... On y va. Ah. Je crois comprendre, en fait son père a dû donc je pense mourir à cause de... De Joël, et donc c'est pour ça qu'elle s'est vengée, parce qu'il l'a tué, donc elle le tue, et donc en vrai, tout s'inverse, elle va avoir le tuer parce qu'il l'a tué, etc. Tout va se suivre. L'hôte. C'est une enfant, pas une boîte de pétri. Tu crois que je... J'ai conscience de ce qu'on doit faire. Tu veux parler de la tuer, non? Non. Elle est morte, c'est elle qu'on l'a tuée, non? Ah non, c'est... Je sais pas qui c'est. Combien de lucioles sont mortes pour moins que ça? Parce que c'était leur choix. Non, Marlène. Ah, mais c'est elle qui est... celle qu'on voit sur toutes les vidéos, photos, sur les murs, etc. Les peintures. Je veux que tu sois de l'autre côté. Et si c'était Abby? Écoute, tout ce qu'on a... Tout ce qu'on a pu faire, tous ces sacrifices, toutes ces atrocités... Tout ça serait... Justifié par cette seule action. Si on parlait de ta fille, qu'est-ce que tu ferais? Excellent retour de retournement de situation. Et bizarrement, elle est là. Abby, je t'ai apporté à manger. T'arrives vraiment au bon moment, toi, dis donc. Tiens, tiens, tiens. Il a traversé tout le pays avec elle. Il a le droit de savoir. Et après, elle aurait peut-être pas dû lui dire maintenant. Bonne chance pour l'opération. Mais je me rappelais pas de Marlène, elle. Je me rappelais pas du tout. T'as pris la bonne décision. C'est moi. J'aurais voulu que tu m'opères. Je pense que son père va être tué justement. Ouais. Et derrière, elle va être vraiment vénère. Et c'est pour ça qu'elle a tué Joël. En fait, ils ont fait un double coup. Voilà, on est revenu ou on n'est pas revenu? Ah ben non, c'est... Elle est revenue, elle. Ok, ça c'est après que Joël se soit infiltré, a tué tout le monde. Ça c'est vraiment genre juste après que Joël a foutu le bordel. Alors si vous comprenez pas, c'est parce que vous avez pas vu le 1 et c'est vraiment important.
On est de retour ici. Ouvre-moi cette porte. Vite. Vite. Et là, c'est... Il est encore dans les parages. Abby. Non. Abby, regarde-toi. Aïe, 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 je l'avais dit, je l'avais prédit. Aïe, aïe, aïe. Soit ça semble logique ce qu'elle a fait, même si bon, c'est coup dur qu'elle ait tué Joël, mais ça semble logique. Joël a tué son père, elle a tué Joël. Lève-toi. Joël, lève-toi, putain. Non mais il nous remonte vraiment ça. Pitié, fais pas ça. Ils sont vraiment pas sympas les amis. Ils sont vraiment pas sympas de nous remontrer ça. Lui par contre là, le Shintok là, on va le tuer lui aussi là, faut qu'on le tue lui. Oh, tu vas mourir toi. Owen il est mort. On a tué tout le monde autour sauf Owen. Les deux là. Le mec est derrière juste Abby et Abby. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais, t'as vu ma gueule? Je l'emmerde ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut comme... Lui aussi il est mort, le mec à gauche. Recule. Tu te calmes. Ou quoi? Recule, putain. Calmez-vous. Jordan. Tu vas me péter. Stop. C'est fini. On se casse. Sauf que là, elle est chercher la merde en fait. En fait, si on remonte tout dans le désordre, en fait, c'est Ellie qui a cherché la merde. Au final. Même si elle y est pour rien, c'est un peu elle qui a cherché la merde. Pourquoi Seattle jour 1, on rejoue tout mais de son côté? Ce serait vraiment classe. Abby? Oh. Du calme. Ça va pas, Abby? Ouais, ça va. Et toi? Putain, mais vous avez vu les muscles qu'elle a? Oh. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le... A même plus de muscles que le mec à la droite. T'es sérieux là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là tout de suite? Ouais. Vamonos. Mais nous on va cesser là pour cet épisode parce qu'on est déjà à plus d'une heure, ou même pile une heure, je ne sais pas exactement combien on est. On va cesser là. Dans la peau de Habé. Habé, Habé. Cours vrac. Vous avez vu les muscles qu'elle a? Pour. Pour. Voilà. Ouais, de rien. La fille qui cuisine? Non, celle de la météo. Elle a quitté sa montagne. Québec. Oh, la télé alors. Sympa. C'est bon, t'as fini de parler? Sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et je sais plus quoi. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Tu pourras pas trouver mieux qu'elle. J'arrête pas de me dire la même chose. Et pourtant, ça m'empêche pas de chercher. Ok. Eh bien voilà, c'est bon, il a fini de parler, on peut enfin conclure cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode numéro normalement 16, si je me trompe pas. Et on se retrouve comme d'habitude demain à 16h pour la suite de The Last of Us 2. Aujourd'hui, c'était pour rebondissant. Je pense qu'on va continuer, mais cette fois-ci dans la peau de Abby, je pense, vu qu'on est reparti jour 1 de Seattle, et qu'on était jour 3 ou 4, je sais plus, je crois qu'on était jour 3, je crois. Donc je pense qu'on va continuer, mais dans la peau de Abby. Donc petite fin d'épisode, merci à tous d'avoir regardé, et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao les gens.